Et salut YouTube, nouvel épisode de Lorelei and the Laser Eyes. Alors, où est-ce qu'on en était? Alors, on est à 36% hein, quand même de complétion du jeu, hein, de la vérité dévoilée. Le micro est beaucoup trop loin. Ah, attendez. On va y arriver, bien sûr. Alors, on a les films, jeux et scripts. C'est vrai qu'on a eu des... J'ai pas eu de jeu. Comment ça, des jeux? Des jeux, c'est pas les boîtes? Non, c'est pas les boîtes de jeux, là, les puzzles. Je voulais retrouver... comment dire? Je vais y arriver, hein. Les trucs des raccourcis. C'est un livre de L.C. Bolt, voilà. Et là, on est devant le raccourci numéro 6. Ah oui, mais c'est ce truc-là? Oh non, mais c'est mort, ça. J'ai pas compris la logique de ça. J'ai pas compris. C'est des chiffres qui se retournent, mais voilà. Non, on comprend pas. Personne ne comprend ça. Personne. Personne ne comprend cette énigme. Non, mais personne ne la comprend. Allez, c'est pas grave. Par contre, il y a un truc que je voulais vérifier. C'est que j'ai l'impression... Est-ce qu'en fait, j'aimerais comprendre l'histoire de l'ascenseur. Là, on a un accès au sous-sol qui vient de l'extérieur. Deux accès, d'ailleurs. Enfin, je crois. C'est le sous-sol. Et il y a un escalier qui vient de l'extérieur, mais j'ai pas accès. Ouais, mais attends, c'est bizarre. Il faut qu'on s'y rende. Oui, on a mis de la musique maintenant dans l'hôtel parce que sinon on s'emmerdait. Hein. Là aussi, il y a un truc de musique. Je trouve que c'est une bonne chose de laisser le choix aux joueurs de mettre de la musique ou pas dans les maps. Comme ça, mais c'est dans le jeu. C'est organique, c'est trop cool, je trouve. Parce que par exemple, ça, j'ai l'impression... En fait, c'est des pyramides et il y avait un plan. Il y avait un plan d'architecte où le devant de l'hôtel, c'était des petites pyramides. D'ailleurs, le chien, il se balade. Non, non, viens pas me voir. Fais ce que t'as à faire. T'as pas un... Rudy, t'as pas un truc... T'as pas un truc à faire, tout. Rudy, le chien qui... Attends, en fait, t'étais un humain, toi, parce que dans le texte... Dans le texte du film, c'est Rudy qui devient un labrador noir. Un truc comme ça, non? Non, mais tu me gênes, toutou. Va chercher la balle. Oui, cet escalier mène au sous-sol et à l'ascenseur. Il y a un truc à faire avec les statues, hein. Définitivement. Parce que c'est bizarre, il y a 4 statues. Et là, il y avait quoi à faire? Ah, il y avait un moniteur qui permettait de révéler l'homme du banc. Mais attends, on peut aller là? Ah non. L'homme du banc. Avec sa carte de visite. Je ne suis qu'un demi-magicien sans vous. M'accorderez-vous l'immense honneur de vous divertir ce soir? Vous me complétez. Donc le magicien, c'était bien sûr Lorenzo. À qui il parle là? La caméra. Je peux pas tellement interagir en fait, c'est ça le problème. Le rêveur. Je ne suis qu'un demi-magicien sans vous. Et il nous met une carte. Et là, celle qui faisait la peinture.
pourquoi il y a des pyramides à l'envers et pourquoi il y en a qui sont barrées. Tu veux pas m'aider le chien? Ah! Un dollar dans le... Dans le... Chandelier ou coupole, je sais pas comment dire. Et là, on peut voir... Un autre banc. Et un raccourci d'une salle où on n'a pas accès, j'imagine. Étage 1. Oui, voilà. Raccourci qui mène à cette grande pièce... Avec une boîte à musique et le trèfle. La fierté de l'hôtel, avec toutes les commodités de vos restes, cet étage héberge un excellent restaurant, un café rustique, ainsi qu'une bibliothèque regorgeant d'informations. Des salons spacieux, socialisés, et même sa propre chapelle. Oui, la chapelle sous l'escalier d'ailleurs. Il y a des escaliers en colimaçon, du moins je pense. Oui, voilà, c'est ça. Qui ne monte pas jusqu'au troisième, mais pas loin. Loft. Ah oui, tout en haut. Le petit loft de l'hôtel héberge une salle d'une taille remarquable et de petits espaces dédiés au stockage qui sont parfaits pour accueillir les nombreux projets prévus dans le bâtiment. Le sous-sol de l'accueil accueille une cuisine moderne. Ah bon ? Une cave à vin, des toilettes dernier cri pour couvrir toutes sortes de besoins et un espace de type salon avec une table de billard. L'ancienne cellule de prison que l'on ne pouvait atteindre autrefois que par l'extérieur. Ah ! Cellule de prison. A été conservé, mais un raccourci menant au couloir de l'ascenseur a été ajouté pour plus de commodité. Menant au couloir de l'ascenseur. J'essaie de trouver un moyen d'accéder, hein, parce que c'est pas possible. Hein. Les escaliers de la salle de l'ascenseur mènent à un espace qui n'a pas encore été mis au jour. Et cette zone profonde pourrait servir à cacher les plus précieux secrets à l'avenir. Ah ! Les escaliers de la salle de l'ascenseur, donc c'est ceux qui partent à droite, j'imagine, mènent à un espace qui n'a pas encore été mis au jour. Oui, en effet, il n'apparaît pas sur la carte. Ah, c'est frustrant là, dis donc. Et l'escalier là qui part vers le bas, lui, c'est l'escalier de l'extérieur qu'on voit là, à gauche du piano. Donc... C'est frustrant. Caméra. Le plan du labyrinthe. Carte de la forêt, oui. Les livres. Compter avec les chiffres romains. Les systèmes horaires, les nombres strobogrammatiques, les citations latines. Ça, ça va nous servir dans le labyrinthe. D'ailleurs, non, c'est vraiment la prononciation des lettres. C'est leur nom grec. Les points cardinaux. Oh my god, j'ai lu tout ça, là? Il avait appelé toute l'exposition un plat unique de patates, mais il revenait sans cesse à l'ordinateur parodique de Weiss, qui était incapable d'accomplir la moindre tâche. Cela cadrait bien avec ce qu'il pensait des machines censées dépasser l'être humain, alors qu'elles n'étaient capables de rien puisqu'elles étaient conçues par des crétins. Il appelait Weiss la femme aux yeux laser. Ah, c'est Lorelei, Lorelei Weiss. Il disait qu'il avait tout de suite compris qu'ils étaient appelés à travailler ensemble. Ah bah le dog like all other dogs est encore régulièrement diffusé à la télévision en Italie et en Allemagne, et Automobile ne cesse d'être programmé dans des festivals de cinéma culte. Ce travail a trouvé un public, mais Un animale terribile a mis un terme définitif à ce succès commercial par ailleurs déjà limité. Ouais, mais parce que c'est les... ils arrachent les yeux des chats là. C'est un fou. Ouais, non, mais c'est non. Il y a un truc avec Etymologist Dream. Il a déjà tout vu sur le film, une sorte de vision prophétique. Salut, mère. Ok, on va voir, on va voir. On avait vu tout ça, les signes du zodiaque.
On vient de commencer. Ça, on avait déjà tout pris, donc ça sert à rien. Je vais pas brute force ce truc, faut une combinaison, c'est pas possible. Mais il y a du sang par terre. Genre là? Bloqué. 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 Mais un dollar. Ah. Oh, le faux espoir, quoi. Oh là là. Ah bah, no fun hein, sur l'étagère. Hein. Il y a du sang, mais no fun. Hein. Non, mais c'est bon, quoi. Au secours, on veut du neuf. Ah! Pareil, avec le truc des phases de la lune, on comprend rien. Ils sont tous bloqués. Putain, mais on dirait que comme s'il y avait un passage secret, là. Attends. En fait, on sait même pas sur les taches de sang. Elles mènent à cette étagère-là, mais... Mais ça nous avance à rien, en fait. Et de l'autre côté aussi, il y a des taches de sang. Mais je ne sais pas comment on accède à l'autre partie. Est-ce qu'elle raccourcit 2? Fais voir un peu le plan. Où est-ce que je suis? Ah, je suis là. Et en effet, j'ai pas accès à l'autre partie du... J'ai pas du tout accès à l'autre partie de cette salle. Parce que c'est derrière un raccourci. Ça serait le raccourci 6 et le raccourci 2. Ça m'aiderait beaucoup. Il y a ça de l'imprimante. Ah, et attends, il y a un raccourci là, dans cette salle. Ah, mais ça doit être fermé de l'autre côté, non? Non, mais il faudrait qu'on trouve l'ascenseur. Là, j'en peux plus, quoi. Ça nous donnerait accès à tellement de trucs. Alors. Bah oui, mais l'ascenseur, il est en panne. Information de service de l'ascenseur. Plus 49. Attends, quoi? Information de service de l'ascenseur. Hausmeister, GmbH. Hausmeister. Anna Nathalie. Hausmeister. Hausmeister, GmbH. 68, 67, 24. L'ascenseur est en panne. Hausmeister, GmbH, que puis-je faire pour vous? Comment ça a cassé? Mais évidemment! Ils sont en train de tout démolir. Vous appelez de là-bas? Et qui d'appareil? Je n'ai rien à faire là-bas! Allô? Mais raccroche pas, il faut qu'il répare l'ascenseur! Oh le bullshit! On s'est fait scam! Oh j'ai le seum là! Ah voilà! C'est nouveau ça? Signorina, c'est moi. Quand votre cheval aboie. Quand votre cheval aboie, c'est qu'il y a une erreur. Il y a eu un malentendu au sujet de l'ascenseur. On ne pouvait pas lui faire confiance. Mais il devrait à nouveau fonctionner maintenant. S'il vous plaît, signorina,
Oubliez le Housemeister. Oh là là, le prank! Ah, oh, le jeu aime bien pranker. Ok, c'est bon. Je crois que le téléphone allait de nouveau sonner. Let's go. Alors, ah, j'ai envie d'aller au moins un là, direct. Parce que là, bon, il y a un raccourci, mais il est fermé de l'autre côté, comme d'hab. Et là, c'est un truc qui mène à un endroit pas référencé sur la carte. OQ3 KLB Electronics. OQ3, c'est l'ordinateur. Alors. Oui, OQ3 KLB Electronics, mais c'est un code barre. Ah, ça, c'est autre chose. Nous sommes dans la salle de l'ordinateur. La fameuse. Saisir le nom d'utilisateur suivi de entrée. Saisir le mot de passe suivi de entrée. Définir la séquence mémoire suivi de entrée. Ah, les runes! Oh là là, le Q3, il fonctionne avec des runes. Oh mon dieu. Alors, j'ai R-I-E-L-O. Alors, avec 5 lettres, on va pas loin. Hein. Et puis, de toute façon, qu'est-ce que je dois saisir? Oh! Et ça, c'est le mot de passe? J'ai jamais vu ces symboles. Et la séquence. Mais c'est pour voyager dans le temps, ça? Non. On comprend pas. Échec de connexion. Oh, de la séquence vérité. Enfin! Le Deus Ex Machina est arrivé. Le dispositif d'intrigue qui va résoudre nos problèmes. Qu'est-ce que tu fous là, perverte? Il fonctionne encore? Vous a-t-il montré quelque chose d'important? Sait-il ce qu'il s'est passé? Pardonnez-moi, mais ce dispositif me rend aussi nerveux que la poêle qui a vendu l'œuf. C'est tout notre projet et notre avenir qui en dépendent, signorina. Il détient la vérité ultime pour nous. Nous devons trouver tout ce qui est nécessaire pour le faire fonctionner. C'est notre mission la plus importante ici. Mais toi, tu m'aides pas, c'est moi qui fais tout le taf. Buona fortuna, signorina. D'accord. Poster publicitaire. Ok, donc on sait que tout en bas, il y a l'ordi. Bon bah, remontons. Mais voilà, déjà on peut explorer un peu plus. ...1973, c'est verrouillé. La clé crucifix. Non. Par contre, c'est bizarre tous ces symboles. Canapé. Il faut un code. Oh. La petite fille. La TVA. Ouais, la TVA, c'est chiant. Piano. Oh. What?
Il a l'air d'avoir trois niveaux de notes. Laser Eyes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ah, la porte est. Enfin. Qui donne accès à ça? Voilà, une autre chambre avec une étoile et un soleil. Wow. Système de loisirs et d'art Laser 1. Ouais, c'est une GameCube. Oh, entre une GameCube et une Dreamcast. Matériel de développement Laser 1. C'est ici le code directionnel pour activer la console de développement. Bad size, système de portable bad size. Magazine de jeux vidéo, il y a surtout des publicités dans le magazine. Super Télégame. Appelez le 03 46 58 pour passer votre commande. Évasion Express toujours incluse. Système laser 1, 600$. Ça coûte rush là, on dirait une PS3. Ah, c'est du 28 MHz, 3 CPU, 48 MIPS. 333 mégaoctets par seconde texture avec affichage, 300 000 triangles, 3 mégaoctets d'SRAM, stock limité, appelez pour connaître les disponibilités. On va appeler, t'inquiète, on va appeler le 03 46 58 pour tenter de gagner une console Laser 1. 46 58. Your Walk Returns, Power Walk, 30$ de nouveaux monstres sont tapis dans la sombre forêt, désormais en 3D impressionnante, à utiliser sur les systèmes Laser 1, conseil à partir de 15 ans, stock limité. Et le système Bite Size à 200$. Meilleure vente appelée pour connaître les... Ilo Milo Shuffle, aider Ilo et Milo à survivre dans un jeu de puzzle action sans fin. Sur la Bite Size. Ah mais moi je veux les jeux Bite Size, parce que je l'ai la console. Le casse-tête fait son retour avec une touche explosive à utiliser sur le système Bad Size. Lorelei and the Laser Eyes. Ok, d'accord. Device 7. Sauveur résout les nouveaux tests et mystères qui attendent Anna alors qu'elle voyage vers une nouvelle île avec ses amis. Entrer dans le labyrinthe des rêves et échapper aux souvenirs maléfiques qui rôdent à l'intérieur. Et c'est quoi ça? Ah, c'est les directions. Ah, on a assez joué à Tunic hein, comme ça. Hein. On me la fait pas. Hein. C'est bon. Hein. On a été train. On a été train de ouf avec Tunic. Hein. Alors. Wow. Fais sur une touche pour exister le logiciel prototype. Ah. Oh. Ah, on est un peu comme sur PS1 là. Oh, oh là là. Ah, c'est dur à contrôler, hein, je vous le dis. Hein. Il faut tourner. Souvenir de l'Est par ici. Vous étiez censé vous souvenir de quelque chouette par ici. Comme dans les Resident Evil de l'époque. Oh!
Oh, vous avez touché un dollar américain. Mais ensanglanté. Oh. Souvenir du grand arbre feuillu blanc droit devant. On dirait JDG. Vous souvenez-vous de la direction à prendre par ici? Non, pas tellement en fait. C'est que les dollars, ça? Je suis un peu paumé, mais bon. Est-ce que je suis revenu en arrière ou... J'ai l'impression, hein. Ouais, souvenir de l'Est. Il y a des bugs! Ah mais non, mais... Je peux vraiment pas revenir par là? Il y a une zone? Le logiciel a envoyé une requête invalide à l'adresse mémoire E5. Enfin 5E6, le logiciel a été stoppé pour prévenir tout dégât sur le matériel. Appuyez sur une touche pour fermer le logiciel en cours. Non mais vas-y, moi je veux y accéder. Je voulais aller là en fait, depuis le début. Et en fait, une fois que t'es passé d'un côté, tu peux plus revenir en arrière, ça bug. Ah. Avec nos plus émus souvenirs pour un artiste persévérant. Si j'ai le souvenir d'une âme patiente. Hein, d'accord. En souvenir d'un être modeste. In memoriam, un esprit gracieux. Nice. Environnement de développement 1. Continuer le logiciel de débugage. Vérifier la conception de niveau. Suspendre le logiciel. Éteindre le développement. Je vais voir la conception. Ah, on a le plan du coup. Prototype. Appuie sur une touche pour continuer le débugage. Il y a un rapport de bug 2 à un moment. Il y avait une histoire comme ça. On avait noté Renzo, Lorenzo, 1, 2, 3. On avait les syllabes. Avec l'imprimante. Donc cimetière, alors je sais où ça bug, donc les deux points blancs c'est là où il y avait la dame et le monsieur, et il y a un tout à l'autre bout, il y a des trucs. Souvenir de la tombe solitaire droit devant, ouais. J'ai l'impression que c'est timé et qu'au bout d'un moment, le jeu, il bug de ouf, en fait. Donc, on avait été là. Voilà, les magiciens, mais on s'en fout. Il nous dit, souvenez-vous du chemin, machin. Souvenir du grand arbre feuillu blanc droit devant, oui. Ah, c'est ça le souvenir. Il était pas très feuillu, hein. Ok, les autres tombent. Ouais, donc l'arbre feuillu, il était en bas à gauche. Pose en paix un homme tolérant. En mémoire de notre enfant calme. Est-ce qu'il n'y aurait pas... C'est bizarre le nombre de tombes. Il y en a deux ici, quatre au centre, une en haut à droite. Je
suspension. À quoi ça sert de suspendre? Ça permet de reprendre. Vas-y, je le suspends. Énigme 13. C'est 60. Et du coup, on arrive là. C'est verrouillé. Oh là là, un code à 5 chiffres romains. Ok. Et donc on accède à une tour. Tout droit, c'est verrouillé. On a fait le coffre ici, on a fait le coffre là. Une odeur de café passe à travers la porte. Quel rapport? Il a préparé du café. Porte verrouillée numéro 7. C'est 88. Ouais. Ah non! C'est pas 88, d'accord. Ah, j'ai mal calculé. Énigme 7. attendez. On a 16 plus 8 plus 4 plus 18 plus 32. Ah, c'est 22. La valeur, c'est pas... X vaut 22, Y vaut 100. Donc c'est 78 le chiffre, pas 88. Et du coup, on arrive là. Ok, verrouillé. On a été ici? Pas du tout. Ah, c'est la foule découverte là. Ah, là, ça faisait longtemps hein, qu'on pouvait pas avancer dans le jeu. Hein. Ah, mais j'ai honte, l'ascenseur. En fait, toutes les énigmes sont résolvables pour peu qu'on y réfléchisse un petit peu, en fait. La porte de carreau. Ah, j'ai pas la carte de carreau. Mince. Dommage. Oh, la lampe. Faire tourner la lampe. Oh, fallait savoir, ça. Oh. Oh là là. Ah mais en fait, toutes ces chambres, elles correspondent à une boîte à puzzle qu'on a vue dans l'exposition. Parce qu'on voit les... piques. J'ai l'as de pique. J'ai l'as de pique. Non? What the fuck? Les cartes, c'était censé être des clés. Ah, je suis enfin ici. Le treuil. Il manque la manivelle. Ah, mais je l'ai. Ok, j'ai descendu le lustre. Pourquoi faire? Oh my god. Bisous. Bisous, bisous.
On va essayer d'autres étages, hein. Le 3. Ding. Oh là, des cloches. Le troisième œil voit tout. C'est vrai que ça avait parlé d'un troisième œil à un moment. Énigme 12. C'est 25. Ok, on est du coup ici. Ce qui nous avantage pas, ça fait que ouvrir un raccourci en fait. C'est pas grave. Alors j'ai descendu le lustre. Ah, du coup je peux choper cette clé. W. Excellent. C'était ici le W, je crois. Hein. Non. Là. Ça n'a rien à voir, hein. Il faut une clé qu'on obtient depuis la boîte à puzzle avec ces formes-là. Oh! Alors! D'accord, enfin on comprend c'est quoi le bail avec ça. Bah, j'ai une forme comme ça, moi. Mais on peut pas... Ah, mais non, mais elle se combine. Elle se combine. Donc, il faut ça. Ça. Voilà. Et ça. Donc là, j'ai combiné le peintre et le magicien. Parce qu'on pouvait pas enlever... Les petits triangles, donc il fallait les combiner. D'accord. On va sauvegarder avant ça. Hein. Ah, la petite fille. Tu as le courage d'entrer dans les couloirs de la sagesse? C'est un lieu de réflexion. C'est un jeu de réflexion. Les frères l'appellent le club de quiz. Ah. Ils attendent à l'intérieur. Sache-le. Ce sont des hommes infâmes. Infâmes et mortels. Ah. Tiens ta langue si tu ne connais pas la réponse à leurs questions. Ils ne connaissent que la vérité ou la mort. Sers-toi de tout ce que tu as appris pour survivre et atteindre le centre. Aïe, aïe, aïe. Ça, ça sent la fin du jeu, ça. Si t'as pas les connaissances, à mon avis, c'est chaud. Mais il faut tout tenter. Oh, dis donc. C'est le labyrinthe, ça. Oh, je suis en train de le parcourir, en fait. Mais en mode à la première personne. Et toi, frère Primus? Restez prudente et ne passez jamais. Misez pour passer ou pour périr. Combien de pièces de labyrinthe a-t-elle été brisée? Alors 9. La peur de la mort entrave la vérité. Épargnez-moi, frère. Répétez votre question une fois de plus, frère. Permettez-moi. Permettez ma contemplation, frère. La vérité surpasse tout. Risquer ma vie. Ah là là.
Permettez ma contemplation. Répétez votre question. En combien de pièces le labyrinthe a-t-il été brisé? C'est quoi la contemplation? Ah, c'est pour rechecker les indices. Vas-y, la vérité surpasse tout. Correct! Ça va, c'était une question facile. Hein. Je vais au pif. Hein. Ça se voit que je vais au pif, je tourne en rond. Oh! Oh! Merci pour la clé! Si seulement j'avais vécu dans un rêve. Non, je sais pas du tout ce qu'elle a dit. Si j'ai seulement vécu dans un rêve, alors cette clé ne doit pas être à moi. C'est quoi cette clé? La clé de la chambre 1948. Bon bah, tu me la donnes, hein. T'inquiète, hein, si tu veux que je t'en débarrasse. Après, j'ai le plan du labyrinthe, hein, parce que si c'est le même labyrinthe qu'à l'étage, je peux juste regarder. Voilà. Je pense que j'étais en haut à droite. Ça faisait une espèce de tournicoton. Triste pour cette dame. Bah, ouais, enfin bon. Elle fait son temps, j'ai l'impression. Hein, ça devait être le lointain passé. Ouais, non, mais là, on sait pas notre position dans le labyrinthe. Je vais vite me paumer, donc on va juste aller au pif. Et on va essayer de trouver des trucs. Mais oui, je pense que j'étais à l'endroit où je... Et là, je vois hein, que j'étais bien à l'endroit où je pensais. Là, c'est un cul-de-sac. Ah non, c'est une porte. Ah, mais ça, c'est pour sortir. Ah oui, donc là, c'était... Elle a été jetée par une fenêtre. Alors, il est possible qu'elle ait été tuée, en effet. Mais... Ah oui, c'est les choses qui arrivent. Ah, ok, de 5. Une autre porte. Mais non, mais je suis en train de revenir sur mes pas, là. Oh, what the fuck? Ou alors, il y a plusieurs sorties, en fait. Et chaque fois que je croise une porte, c'est pour ressortir, parce que là, je suis au nord. C'est de m'engouffrer un peu dans le labyrinthe. Ah, voilà, il y a un mec. Un autre mec. Ils sont dodo avec leur flingue dans la main. On peut tellement leur piquer, en fait. Quel jour de janvier, Renzo Nero attend votre arrivée à l'hôtel Let's Jar. Quel jour de janvier. Quel jour de janvier. Si vous... On vous savez rusé comme la souris de carotte, fraîche. Attends, mais c'était en décembre. Ah non, le 7 janvier. C'est 7. Correct. Bye bye. Oh, c'est triché, on peut aller regarder tous les documents qu'on veut. C'est trop facile. Une autre clef. Si je n'ai jamais rien possédé, alors cette clé ne doit pas être à moi. 1957. Donc là, ça ne sert juste qu'à récupérer des clés, cet endroit? Ok. À quelle page du manuel d'instruction peut-on lire les informations concernant la sauvegarde du jeu?
Lettre, panneau, motif, poster, vision, message. Ah, mais attends. Manuel d'instruction. Sur la sauvegarde. De vie réelle. Commande de jeu, les boutons, introspection. Histoire personnelle. Enregistrer votre partie, c'est la page 5. Ah, let's go! C'est vrai que c'est stylé, claquement de doigts. Oh! Trou dans le mur, ça ressemble à la bouche d'égout. Il y a un objet en papier dans le trou. Non. Ah merde. Ça ressemblait trop à la bouche d'égout, là où le cube était tombé. Oh là là. Sérieux. En quelle année eut lieu l'exposition Verschlossen Erinnerungen à Düsseldorf? Exposition à Düsseldorf. Ah. L'artiste nous invite à participer à jouer, réfléchir au premier regard et au premier toucher. Ces boîtes semblent absurdes et impossibles à ouvrir. En y regardant de plus près, des motifs se font jour. Oui, c'est l'exposition chelou là. Le panneau de Nom, qui était juste avant. Dans Nom, nous sommes invités à découvrir les pensées d'une personne telle qu'elle se constitue. Merde, j'ai pas l'année. Hein. Lettre. Porte de la chambre, les chevalets dans le jardin de devant, la carte de visite, le poster magique, les visions, les messages du passé, les erreurs logicielles. Note. Donc là, on est dans le club de quiz, là. Ah, les notes. Ah, mais les notes sur l'exposition, c'est ce qu'il y avait sur le panneau à l'entrée. Il y avait la voyance, le spectacle, tout ça. La note du testeur du jeu. Ah oui, on avait vu ça. Ouais. Ah mince! Je pense que là, la peur de la mort entrave la vérité, épargnez-moi. Cette confrérie n'accepte pas les tâches. Et les lâches! Ok. Malheureusement, je connais pas l'année. Quel est le chiffre de la vie selon la numérologie transcendantale? Ça, je sais où trouver l'info. Les nombres, le système horaire, l'astrologie, non. La cartomancie, non plus. Numérologie. La vie, si c'est la vie. Ah, un autre trou. Non mais il y a que de l'argent dans ces trucs-là? Oh là là, frère Nonus. Qu'est-ce qu'il dit, frère Nonus? Quelle est l'année de naissance du docteur SC Bolt? Waouh.
Pas sûr de l'avoir, ça. Pas sûr de l'avoir. Ah, si, en 1949. Bon, ça va alors. Ça va. C'est l'année de l'exposition qui me... Il va falloir qu'on fouille un peu. Ah mais la porte, elle me permet de revenir en arrière, on est d'accord. Elle me permet de sortir en fait. C'est comme les dames qui pleuraient dans le labyrinthe. Ah. Si je suis autre chose qu'un conteneur creux, alors cette clé ne doit pas être à moi. 932. Nord-ouest. Je suis en train de descendre. Ah. Octavius. Quel numéro de rue vit Zimmerling? C'est qui Zimmerling? Zimmerling, d'accord. Comptez avec les chiffres romains, les systèmes horaires, les nombres. Un animal est terrible, est Zimmerling. Claudia Piccini. C'est l'éditrice de Etymologist Dream. J'avais pas lu ce texte. Ça parle de Zimmerlin, là? Pas trop, hein. Pas pour l'instant, en tout cas. Astrologie moderne, les étoiles inconnues. Dans quoi? Non, Rubrum Astronomica. Les phases de la lune, les objets machin, les signes du zodiaque, le livre de l'apocalypse, document, manuel d'instruction, dossier médical. On n'a pas le nom de la patiente, hein. Répertoire téléphonique. Zimmerling. Elle habite au 2 Esperantoplatz. C'est bien ça. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Allez, on roule sur le jeu, là. Ok, on est à l'ouest. Oh. Si ce lieu n'en est pas un... Alors cette clé ne doit pas être à moi. Bon, je sais pas combien de clés on est censé récupérer ici. Il y en a déjà pas mal. Je pense qu'il y a une clé derrière chaque frère. Frère Decimus. Il y en a peut-être 9 en fait. Quel est le numéro de téléphone de l'OL? Ouais mais non mais là c'est trop simple. On vient de se souvenir du répertoire. L'OL 39 80 30. Ça, pour le coup, la question est beaucoup trop simple. Il va y avoir plus de place dans l'inventaire. Oh, pas de chance que ça arrive, mais... On commence à avoir beaucoup de clés, là. Et surtout, on a les dalles de labyrinthe dont on sait pas quoi faire. Ça se trouve, faut les mettre ailleurs dans le labyrinthe du dessus. Chose que j'ai pas faite. Sud-ouest. On explore, hein. Voilà, une autre porte pour quitter les lieux. Quintus Decimus.
Combien de minutes après minuit, Andreas Coleman arrive-t-il à l'hôtel Letzjahr? Letzjahr. Combien de minutes après minuit? Où est-ce que je peux avoir l'info de ça? Combien de minutes après minuit? Andreas Coleman. Je sais même pas de qui on parle. On n'a même pas son nom dans le répertoire. C'est pas grave à la rigueur. Dans les lettres. Ça, c'est les lettres pour moi, signorina. Robert Sidney. Ton frère. Le panonome parle de Lorelei Weiss. L'exposition Verschlossen et Ringgengen. Mais on n'a pas l'année. Renate Schwarzwald, qui a fait l'huile sur toile avec les symboles mystiques. Une carte de visite du... Ouais, le chevalet devant le jardin. La porte de la chambre. Bah, j'ai les clés sans avoir fait les énigmes. C'est ça qui est marrant. Les posters magiques. Avec les runes. Ça, c'est pour l'ordinateur. Prophétie du voyant. Ok, oui. Message du passé. Les erreurs logicielles. Ouais. Ah, j'ai peut-être pas la réponse à la question, là. Les films. C'est pas dans le... Non, mais à quelle date... Il arrive à l'hôtel. Croquis d'architecte. Notation sur la visite. Les pages de script manquantes. Coleman. Je pense que j'ai pas l'info, mais c'est pas grave. Je fuis. Je suis un lâche. Où est-ce qu'on est là? On est presque au sud. Ok. Ouais, mais Quintus Decimus m'empêche de passer. Ouais, on avait été là. Ok, d'accord. Je pense qu'il faut que je revienne en arrière. Donc là, c'est un cul-de-sac, mais on a eu une clé, voilà. Ah! Ah bah non, je l'avais pas prise. Si j'existe autant que le labyrinthe, alors cette clé ne doit pas être à moi. So much keys. Wow. Ouest, mais on venait justement du mur. On va essayer de creuser là. C'est qui toi? C'est Undecimus. Restez prudente. Combien y a-t-il de tombes près du mausolée? Je sais plus. J'en ai aucune idée. Et là, je suis sûr que j'ai rien. Nombre de tombes près du mausolée. J'ai pas l'info.
déjà mis ma main dans ce trou. Bon, ne pas sortir de son contexte. Idem. Ouais, on a été ici, hein. Mais en fait, ce qui est chaud, c'est de trouver un nouveau chemin qu'on n'a pas exploré, et c'est dur. C'est de plus en plus dur. J'ai l'impression surtout que... qu'on va devoir revenir plus tard pour les réponses qui nous manquent. Quintus, je me souviens plus. Combien coûte 4 centilitres de Glen Magnus Single Malt à l'autre? J'en ai aucune idée. Ça parlait pas de bière jusqu'à présent. Aïe, aïe, aïe. Terrible. Terrible d'être un ignare sur la binouze. Ah, je ne sais pas où je suis. C'est terrible. Et toi, tu es... Secundus. Combien de minutes dure Canzone dell'Oceano? Ça, on a l'info. Les panneaux, lettres, notes, notifications, documents, articles, film, jeu, script. Une heure 51, donc 111 minutes. Ce labyrinthe est difficile à parcourir. Hein. Mais what the fuck, je... C'est possible de passer le gars et en fait c'était un endroit qu'on pouvait déjà explorer. Je suis de vénère. Ah là là, ça y est, on est paumé. On avait déjà passé cette porte en plus. Les portes, elles permettent vraiment de revenir en arrière. Nord. Oh! Si ma demeure n'a jamais existé, alors cette clé ne doit pas être à moi. Eh, franchement, on a beaucoup de clés. Hein. On a récupéré 6 clés dans le labyrinthe, sachant que je pense qu'il y en a 9 et que il y a au moins 3... Oh, 3 ou 4, je sais plus. Mec à qui on n'a pas la réponse. Donc je pense qu'on va sortir du labyrinthe et servir des clés déjà. Parce que ce sont des... Quintus, ouais. Quintus, on n'a pas la réponse. Ça peut nous faire progresser en plus, hein, de backtrack et puis d'aller chercher d'autres trucs. Y a pas une porte? Histoire de se casser de cet endroit inquiétant. Enfin, pas tant que ça. Le jeu a une ambiance, mais il... Y a pas de flip, y a pas de... C'est pas le style du jeu, on est sur un jeu d'enquête, donc... Voilà. Ça me fait penser un peu à un escape game dans le... Dans l'esprit également. Et ah, ça y est! C'est le bad, parce qu'on est en boucle, là! Laissez-moi sortir, nom de Dieu! Là. Voilà. Eh oui. Et voilà, gros épisode, hein, YouTube, hein. Ça fait plaisir d'avancer.
La bise.